effectivement une nouvelle dévastatrice. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah yarhamou, Allah yawassi alayh. Allah yati as-sabr lil walidin wal 'aila kull. Vraiment, c'est une nouvelle qui nous touche tous profondément. Je sais que c'était déjà un très bon joueur, très bon garçon, vraiment un très bon garçon. Depuis mon arrivée en sélection, il y a 4 ans de ça déjà, il avait commencé à jouer avec l'USMA, il rentrait de temps en temps. Puis j'ai pu voir toute son évolution jusqu'à rejoindre l'équipe des locaux, l'équipe des A-Prime, appelons ça comme on veut. Et on voit que voilà, d'année en année, il s'affirmait, il devenait un joueur très très intéressant. Bon, c'est des nouvelles franchement qui font très mal au cœur, très mal au cœur. Vraiment, c'est un choc, on est encore sous le choc. J'ai appris ça il n'y a même pas une heure. J'ai pas les mots. Allah, j'ai pas les mots. Allah yawassi alayh. Allah, inshallah, yakun al jannah. Et Rabbi yati sabr al walidin. Vraiment, les parents, là, on est tout cœur avec eux. Et nous, à la fédération, tout ce qu'on pourra faire, tout ce qui est. Je ne vois pas ce qu'on peut faire aujourd'hui, je ne sais pas ce qui peut diminuer la peine des parents, je ne sais pas, aujourd'hui il n'y a plus de mots. Aujourd'hui il y a place au recueil et franchement on est choqué. J'ai perdu mon oncle il y a une quinzaine de jours, Allah yarhamou, j'ai perdu ma tante il y a 2 mois. Aujourd'hui je perds un frère comme ça, vraiment c'est éprouvant, c'est difficile. La Koulihal se doit d'avancer et surtout voilà, l'air.